Merci beaucoup, mon frère. Reviens quand tu veux. Je suis le seul certifié ISO 9001 en matière de transfert d'argent au quartier ici. Bonsoir, Fofo. Eh ya, monsieur Dangote de Facebook, papa Dollar, donateur de filles par excellence, viens expliquer ce que tu as créé. Aïe, Guérou. Comment ça, Idriss est devenu papa donateur? Celui qui est avant dans le quartier ici, là. C'est ici, il est avant. Sinon, sur Facebook, il a la main sur le cœur. Parle. C'est ici, on va. C'est ici. Faut que vous venez parler. Tu as fait quoi à la dame? Au fait, Métis, je discute avec une fille que j'ai rencontrée sur Facebook il y a quelques mois. Et nous sommes devenus tellement proches que je lui rends des services. Tu l'as déjà vu? Tu es proche comment? Tu l'as déjà vu physiquement? Où? Il va trouver ça où? Laisse-le finir, le comble arrive. Parle! Parle! Donc, dernièrement, elle m'a demandé 60 000 pour sa formation. Tu es son papa. Ah oh! Combien? Toi, ton agent. Donc, en voulant envoyer l'argent là, j'ai fait erreur quoi, et j'ai augmenté un zéro. Et ça faisait... Ça fait 600 000! Mes pauvres sous que j'ai économisés à force de vendre du charbon au marché, il a tout dilapidé. On cherche la fille en question, on ne la trouve nulle part. Son compte a disparu. 600 000? 600 000! 600 000, tu as envoyé 600 000, c'est pas erreur. Hey, ils vous ont arnaqué! Oui, c'est... Bonsoir. Oui. Je fais un dépôt de 150 000. 150 000? C'est un sujet intéressant, je viens. Dépôt de 150 000. Comment ça tu vas te faire arnaquer comme ça? Hein? 600 000 francs, ça c'est de l'arnaque. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Oh. Mettez le numéro. 600 000. Au 21e siècle, on t'arnaque encore. Moi, je ne peux jamais laisser les gens m'arnaquer comme ça. Jamais. L'arnaque, dans ma famille, c'est impossible. C'est impossible. À ton âge, hein, Idrissou? C'est un inconscient. Avec ta barbe comme ça, on t'arnaque. Sois vigilant, c'est parti, madame, c'est parti. Les sous là. Et au fait, c'est pas l'espèce. C'est un monsieur qui s'est trompé et je suis en train de lui restituer son argent. Comment ça, tu n'as pas d'espèce? Restituer comment? Montre-moi le monsieur à côté à Régis là. Ça va chauffer maintenant. C'est un acte! C'est un acte! Bon, Fofo, hein? Non, on va repasser. Tu veux vous gâcher? Vas-y, vas-y! Attends! Attends, comment? Non, je vais l'appeler. Dans tu la vas appeler qui, Julo? Tu vas appeler qui? Je dis que c'est un acte, ça là, c'est un faux message! C'est un faux message, tu dis que tu vas appeler! Tu t'appelles comment? Yvette. Yvette, tu t'appelles où? Tiens, Yvette. Yvette, on t'a. Viens ici! Viens ici, je vais te blesser, hein! Qui t'a envoyé? Donne ton téléphone d'abord, c'est saisi. Ça, c'est combien tu as acheté ça? Combien? Parce que moi, je sais, on m'a acheté ça, non? Raconte-nous, elle encore une, raconte-nous, elle. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu vas me dire ça. C'est à cause de toi. Heureusement que j'ai remis 100 000 à mon fils de garder, sinon, qui sait ce que tu allais en faire? Pardon, pardon, tu es allé me publier. On va, tu vas voir. Fous le camp. Alors, venez, votre fils a essayé de se jeter dans le puits. Aïe, aïe, aïe. Hein? Mais pourquoi? Il paraît qu'il a envoyé toute la somme que vous lui avez remise à un parieur sur Telegram pour qu'il puisse lui faire une montante. Au final, le gars a disparu. Oh, Jérôme! Les arnaques aux faux transferts d'argent sont en pleine expansion et représentent une menace réelle pour votre sécurité financière. Les escrocs vous envoient de fausses notifications ou se font passer pour des agents de services de paiement mobile afin de vous extorquer des informations confidentielles. Donc, soyez vigilants. Si vous recevez un transfert d'argent non sollicité, vérifiez toujours la source avant toute action. Ne partagez jamais votre code PIN ou d'autres informations personnelles avec un tiers, même s'il prétend être un agent d'un opérateur mobile. Ne tombez pas dans le piège des offres trop belles pour être vraies, qui sont souvent associées à des demandes de paiement anticipées. En cas de doute, contactez immédiatement votre opérateur mobile ou votre banque pour vérifier l'authenticité de la transaction. Votre vigilance est votre meilleure protection contre ces fraudeurs. Merci.